لام فتح لا يا ضم ميم سكون يم با فتح با لا يم با ذال فتح نون شد ذن نون فتح نا لا يم با ذن. Donc ici, on fait attention à remplacer le nun sakin par un mim. Donc comme on a vu dans les mots précédents, donc le nun rouge fait place au mim qui est au-dessus de lui. Donc au lieu de dire hier domme nun skun, on va dire directement hier domme mim skun yum. Ici, il s'agit encore d'un qalb ou iqlab. Sachez que le terme le plus approprié et le terme originel est al-qalb, donc la substitution en français du nun par un mim. Ensuite, tâchez de donner une durée longue à la runna ici, du mim suivi d'un ba. Donc la yum ba. Et ensuite, la shadda. ذال فتحة نون شدة ذن نون فتحة ن لا يوم بذن ميم كسرة ميم سكون ميم با فتحة عين سكون باع دال كسرة دي ميم بعدي. Là, vous commencez à prendre l'habitude. Le noun est remplacé par un mim. Et ici, on prolonge la runna du mim longuement avant de passer au ba. Pour le ayn sakin, on donne une durée moyenne. Et on lit le tout de cette façon, je répète. Mim ba'di. Mim kasra mim skun mim. با فتحة يا سكون بي نون كسرة صاد شدة نص صاد ضم لام سكون صل با كسرة بي ميم بين الصلبي. Donc ici encore une fois on retrouve le nun sakin sur lequel il y a un mime. Donc, on remplace encore une fois le noun par le mim. On donne à cette runna une durée longue. On passe ici sur un lin, el-lin, un ya sakin précédé d'une fatha. Donc, bay. Ici, la liaison se fait directement du noun avec sa kasra au sod et shadda. Donc, noun, kasra, sod, shadda, nis. Alors, quand on arrive à ce mot, on fait attention parce que la suite se trouve sur la page suivante. Donc, le mot qui est en bleu, la suite est ici, donc page suivante en bleu. Lam fatha la, nun fatha sin sukun nas, fa fatha fa, la nas fa, ayn fatha mim sukun am. لا نسف عم با كسرة نون شدة بن نون فتحة ألف سكون صاد كسرة صي يا فتحة يا تا كسرة تي لا نسف عم بن ناصيتي. Donc plusieurs choses ici. Le sin sukun, on lui donne un temps long. L'écoulement du son doit se faire de manière très longue. Ensuite, on a ayn fatha mim sukun am. On fait attention à lire tout ce qu'il y a écrit. Donc le ayn, la fatha, le mim sukun, le mim sukun. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la différence des nun sakin que nous avons vus dans les mots précédents, ici il s'agit de fathatin à la base. Ici, sur le ayn, il y avait
à l'origine, fathatin, ce qui explique la présence du alif. Mais comme ce mot est suivi d'un ba, le noun sakin de la fathatin s'est transformé en mim. Il s'agit ici encore une fois d'une substitution, donc d'un qalb ou iqlab, mais dans le cas d'un tanwin et non d'un noun. La règle est la même, sauf que, je répète, il s'agit ici d'un tanwin et non d'un noun sakin. Entre parenthèses, vous le savez maintenant très bien, dans le tanwin, il y a un noun sakin qui n'est pas écrit mais qui est prononcé. C'est pour cela que la règle est identique. Donc, ici, on a remplacé la deuxième fatha par un mim, tout simplement. Aïn, fatha, mim, skoun, am. Et quand on lit ces deux mots, on fait attention à prolonger également la runa du mim longuement, car elle est suivie par un ba. Deuxième chose, le noun, shadda. Vous le connaissez maintenant, vous lui donnez donc une durée très longue, la runa ici est akmal ma takoun, très longue. Et le reste est, je pense, assez simple à lire. Ba kasra bi, dhal fatha mim skoun dham. Ba kasra bi, bi dham bi. Ha kasra mim skoun him. Bidhambihim. Donc, qalb, substitution, on prolonge la runa et on passe au ba. Mim dhammamu ta fatha ha shadda tah ha fatha ha mutaha ra fatha ra تا كسرى ميم سكون تيم مطهرة تيم با كسرى بي همزة فتحة يا سكون أي دال كسرى يا سكون دي مطهرة تيم بأيدي سين فتحة سا فا فتحة فا را فتحة را تا كسرة تن تن سفارة تن كاف كسرة كي را فتحة ألف سكون را ميم كسرة ميم سكون ميم كيرا ميم با فتحة با را فتحة را را فتحة را تا كسرة تن تن برارة تن مطهرة بأيدي سفرة كرام برارة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5 mots d'affilée sur deux lignes différentes. À quoi il faut faire attention, les erreurs à ne pas éviter. Premièrement, faire attention au « ha » à l'amincir. Donc on amincit le ha situé entre deux lettres emphatiques. Donc on fait attention à l'amincir, à ne pas dire mutahharatin. Donc la lecture correcte est mutahharatin. Donc la shadda ici ta fatha ha shadda ta ha fatha ha mutahha. Donc on appuie sur le ha, on double le ha. Premier ha, sakin. Deuxième ha, mutaharrik, portant une fatha. À ce niveau-là, on a un qalb, substitution, comme dans le mot précédent.
Donc, un tanwin qui va se transformer et passer de in avec un nun à im avec un mim. La raison est le ba qui suit. Donc, faites attention à prolonger donc la runa du mim. Ensuite, on a un lin ya sukun précédé d'une fatha. Ay lin, leçon numéro 7, ad-darsu sabi'a. Dal kasra ya sukun di. N'oubliez pas donc leçon numéro 8, première partie, les lettres violettes, al-mad. Ensuite, lorsque l'on descend, on a le mot safaratin. Attention à faire ici la runna. La runna du nun sakin du tanwin. Ici, on a ce qu'on appelle l'irfa, irfa, dissimulation. Donc, safaratin kiramim. Je m'arrête là. Et je rappelle que pour l'irfa, donc la dissimulation, on prolonge la runna et on s'approche de du makhraj, donc du point de sortie de la lettre qui suit, qui est ici en l'occurrence un kef. Point de sortie du kef, fond de la langue. Donc on s'approche de la sortie donc, qui est le fond de la langue. On n'oublie pas que le kef est muraqqaqa, donc lettre amincie. On fait une runna amincie. Donc ici la runna sera à 100% nasale, car il s'agit d'un kef, et que la sortie buccale, donc le son de la bouche, est complètement obstruée, dû au point de sortie donc, de cette lettre kef. Alors, le son sortira à 100% par le nez. Donc, je refais ces deux mots. Safaratin kiramim. Et là, donc, je me retrouve face à un autre qalb. Substitution. Donc, le in avec un nun devient im avec un mim. Parce qu'il y a un ba derrière, vous commencez à comprendre. Vous avez déjà compris, alhamdulillah. Donc, mim sukun suivi d'un ba, on prolonge la runna. Et ensuite, cinquième mot, bararatin. Donc, on termine avec tin. On lit toutes les lettres et toutes les harakettes dans un premier temps. Mais on va faire une deuxième lecture, car il y a ce petit cercle marron. Et dans la deuxième lecture, le tin va perdre ses harakettes et ses points et devenir un ha. Ha que l'on va prolonger. Car rahawa, écoulement du son sur un ha sakin. Donc bararatin va devenir barara. Ha dhamma mim sukun hum. Fa kasra ya sukun fi. Ha fatha alif sukun ha. Hum fiha. Ça peut paraître simple, mais il faut faire attention à des petites choses. Donc là, on a un mim sakin suivi d'un fa. Le mim va être lu tout à fait normalement. On va lui donner son temps moyen de bayniya. Et on va passer au fa sans prolonger une quelconque runa. Donc comme on faisait ici auparavant quand on avait un mim suivi d'un ba, on ne le fera pas. Ici, il s'agit d'un fa, donc on passe du mim au fa sans aucune prolongation. Hum fiha, hum fiha. En parlant de prolongation, il y en a deux dans le deuxième mot, des prolongations de deux temps. N'oubliez pas leçon 8, première partie, donc les lettres violettes. Donc, ya sukun. Alif sukun, mad tabi'i harakatain, donc deux temps pour ce mad naturel, ici et ici. Donc le ya, pour rappel, la base, le ya sukun prolonge la kasra, le alif sukun prolonge la fatha. Et là, on a une lettre qui n'est pas si simple pour tout le monde à déchiffrer. Il s'agit d'un ha. Il n'a pas été vu dans cette écriture-là, dans la leçon 2, ni dans aucune des leçons précédentes. Mais il s'agit bien d'un ha. Donc regardez-le bien, parce que vous allez le trouver dans le Coran. Il va être important de pouvoir le reconnaître. Inch'Allah. Lam fatha la. Kaf dhamma mim sukun kum. La kum.
دال كسرى يا سكون دي نون ضمانو كاف ضم ميم سكون كم لكم دينكم. Donc ici, pas de difficulté. Rappelez-vous toutefois qu'il faut faire ici dam puis irja. Donc on fait dam et on revient avec les lèvres de façon à effectuer une sorte de petit sourire au niveau du sukun. Donc on revient les lèvres à la normale. Attention à ne pas garder les lèvres en avant pour la dam ainsi que pour le sukun. Les lèvres en avant, c'est uniquement pour la dam. Donc on a l'exemple ici et également sur le deuxième mot. Lakum dinukum. Donc à la fin de ces deux mots, je reviens parce que sukun, je reviens avec mes lèvres à la normale. Attention également à bien articuler et à bien donc ouvrir la bouche pour la fatha, avancer les lèvres pour la dhamma, abaisser la mâchoire pour la kasra. On prolonge ici de deux temps, ya sukun. Et on passe à la suite parce que ce n'est pas fini. Waou fatha wa lam kasra li ya fatha ya waliya. Pas de difficulté. Waou un temps, lam kasra un temps, ya fatha un temps. Waliya dal kasra ya sukun di nun kasra ni dini. Lakum dinukum waliya dini. Hamza kasra nun shadda in nun fathana inna ra fatha ba shadda rab ba fatha ba ha dhamma mim sukun hum inna rabbahum ba kasra bi ha kasra mim sukun him inna rabbahum bihim. Donc ici deux lettres rouges, le noun mushaddada et le mim sakin. Donc noun mushaddada runna akmal ma takun. Donc une longue runna, on fait attention à donc prolonger cette runna dans la durée. Ensuite, shadda sur le ba. Quand on épelle ici, on fait attention à bloquer donc sur le ba en plein milieu de la shadda. Ra fatha ba shadda rab. On bloque, on laisse les lèvres fermées. Ba fatha ba rab. Et on double le ba parce qu'il porte une shadda. Ensuite ici, le ha dhamma est suivi d'un mim sukun. Donc on avance les lèvres pour la dhamma et on revient avec les lèvres à la normale pour le mim sukun. Ensuite, on prolonge la runna du mim, mais à savoir, la prolongation ici de la runna est un temps inférieur à celle-ci. Donc ici c'est runna akmal ma takun, ici c'est runna kamila. Donc runna très longue, runna longue. Il y a une petite nuance au niveau de la durée. Mais prolongez, donc tâchez de prolonger donc ces deux runan et ce sera très bien, inshallah. Donc ici on prolonge la runna du mim et on passe au ba directement. Il s'agit d'un irfa shafawi. Le irfa du mim qui n'est pas l'irfa du noun. Donc le mim ici est caché derrière le ba. La raison en est que les deux lettres possèdent le même makhraj, le même point de sortie. Donc on parle ici, je répète, d'un irfa shafawi. Donc on ferme les lèvres pour le mim et on les réouvre pour le ba. On continue. Ta fatha ra sukun tar. Mim kasra ya sukun mi. Ha kasra mim sukun him. Tar mi him. Ba kasra bi. Ha kasra hi. Jim fatha alif sukun ja. Ra fatha ra.
ta kasratin tin tarmihim bihijaratin. Donc ici le ra, premièrement, on lui donne une durée moyenne, al-bayniya, parce qu'il est sakin. Ensuite, on fait deux temps ici sur le mim, parce que ya sukun. On continue avec ha, kasra, mim, sukun, him. Et ici, on fait une runa longue. Le mim est suivi d'un ba. Le ba, faites attention, il est écrit au-dessus du ha. Donc, il y a le ba ici. Son point est en dessous. Mais le corps du ba est au-dessus du ha. Et il est collé donc à la tête du ha ici. Donc on a un ba kasra bi, ha kasra hi. Et comme on l'a vu précédemment, on commence évidemment par la lettre qui est au-dessus et on suit ensuite et on continue ensuite par la lettre qui est en dessous. Jim ici prolongé de deux temps, alif sukun. Lam fatha la. Ha dhamma mim shaddahum mim fatha alif sukun ma lahum ma ya fatha ya shin fatha alif mad sha hamza dhamma waw sukun u nun fatha na lahum ma yasha. Alors ici, faites attention au mime rouge suivi d'un mime mouchaddada. Donc, quand on a le mime ici, à la fin d'un mot, suivi d'un mime au début du mot suivant, qui porte la shadda, on va faire fusionner les deux mimes. Quand on épelle, on va passer directement ici de cette lettre au mime mouchaddada. Donc, on va passer directement du ha dhamma mime shadda hum. Comme si le premier mime avait été aspiré par le deuxième. Donc il y a ici idram. Donc on a une sorte de idram d'assimilation. Donc vous pouvez avec ce moyen mémotechnique vous souvenir que le mime sakin est aspiré, assimilé par le deuxième qui porte la shadda. Et on passe directement à celui qui porte la shadda en fusionnant les deux. Et du coup la runa va être très longue. Aussi longue que celle du noun mouchaddada. Lahumma. Ici, alif med, on se souvient, avant de prononcer la hamza, on ne lui donne que deux temps. Une fois que la hamza qui suit est prononcée, on donnera à ce med quatre temps ou cinq. Donc, yasha'una. Deux temps ici pour le waw sukun. On continue. Mim kasra mim shadda mim. Mim fatha ma. Mim ma. Donc là, on fait avec mim mushaddada. Donc ici, runna akmal ma takun, runna très longue sur le mim qui porte la shadda. Hamza fatha lam shadda al. Lam fatha alif saghira la. Ha dhamma mim shaddahum mim fatha ma Allahumma. Donc ici dans le nom d'Allah ou l'un de ses dérivés, on ne coupe jamais en plein milieu pour revenir et épeler le reste. On épelle la totalité du mot et ensuite on lit la totalité d'un seul bloc. Premièrement, Hamzatul Wasl, ici en début de lecture, est lu et n'est pas muette, donc on va lire Hamza Fatha. On passe directement au lam qui porte la Shadda. On va ici sur Al-Lam Al-Mushaddada ajouter Alif Sarira, comme à chaque fois dans le nom d'Allah, dans Lafzul Jalalah, on prolonge de deux temps, donc Alif Sarira. Lam Fatha Alif Sarira La. On continue. Ici, on a mim mushaddada, comme vu ici dans le mot juste avant. Elle possède une runna akmal ma takun, donc runna très longue. Et donc, on va prolonger la durée de la nasalisation. Donc, Allahumma.
Dernier petit détail, et pas des moindres, on ne gonfle pas, on n'emphatise pas la première hamza, on ne dit pas Allahumma, mais on dit Allahumma. Tammat bil khayr.